Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Alors, j'aimerais faire juste deux petites mises au point en débutant l'émission. C'est que il faut rappeler que cette émission-là, nous sommes aujourd'hui le 7 décembre 2011, que l'émission est enregistrée le 29 novembre 2011. Donc, au moment où l'on enregistre cette émission-là, la partielle de Bonaventure, elle n'est pas faite. Elle n'est pas... Personne n'a voté sauf le vote par anticipation. Puis, on ne connaît pas les résultats. Alors, c'est pour ça que ça va être chose du passé au moment où cette émission-là va être diffusée. Alors, c'est très important de le dire parce qu'il se passe aussi beaucoup de choses en politique. Donc, entre la date de l'enregistrement et la date de la diffusion, il y a une mer entre les deux. Ex-député du Bloc, il devient mon analyste politique. Alors, autant sur la scène fédérale que sur la scène provinciale. Alors, mesdames et messieurs, Monsieur Marc Lemay. Monsieur Lemay, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Lemay, merci d'avoir accepté cette invitation-là. Et je vais faire une autre petite mise au point très vite parce que on ne sait pas votre avenir à vous. Absolument non plus. Pas. Et vous non plus. Alors, j'aimerais dire que peu importe si un jour M. Lemay se présenterait en politique, que ce soit fédéral, que ce soit provincial ou que ce soit municipal, au moment où on fait ces émissions-là, M. Lemay n'est pas en campagne électorale pour aucun parti politique et non plus aucune allégeance politique de quoi que ce soit même au fédéral, au provincial ou au municipal. Il est ici en tant qu'analyste politique. Le jour où il décidera de son avenir politique, qui pourrait se lancer dans une campagne électorale. Alors, à ce moment-là, je prendrai une décision à savoir s'il peut conserver son poste ou non. Mais pour l'instant, M. Lemay n'est pas en politique, n'est pas un candidat pour aucun parti. Il est mon analyste politique. Je pense que c'est très important de le dire. Et je vous dirai, j'ajouterai là-dessus, que je serai assez honnête pour vous faire savoir rapidement si je prends une décision en ce sens-là. Puis je vous avoue que depuis le 2 mai, j'ai goûté à la quiétude de prendre la vie au jour le jour et je commence et vous commencez à pas y retourner. À vous contempler dans ça, monsieur. Je commence à pas y retourner trop, mon cher ami. Alors, c'est ça. Alors, ce sera votre rôle, puis je sais que vous êtes capable d'être très objectif. Quand un parti va faire un bon coup, on va en parler, que ce soit le même parti ou un autre parti, peu importe le parti, quand il y aura un coup qui ne sera pas à notre goût ou à votre goût, on va en discuter. Absolument. Également. Et je vous annonce tout de suite, vu que l'émission est le 7 décembre, oui, que le gagnant dans Bonaventure est M. Arsenault du Parti libéral. Bon, OK. Ça fera pas facile, mais il va gagner. Monsieur... Vous avez droit à votre opinion. Il va profiter du fait que M. Legault et les caquistes ne soient pas présents dans son comté. Donc, et bien évidemment, c'est un comté qui est libéral depuis... 46 ans sur 50 ans. C'est fait que c'est quand même... Parce qu'on a eu Guillaume Arsenault... Et Gérard Deslévesque. Madame Normandeau qui était très solide aussi. C'est clair. Donc, dans les 50 dernières années, ce comté-là a été un comté au Parti libéral depuis 46 ans. Et je vous dirais qu'il a été très bien servi par les députés qui l'ont représenté. Écoutez, moi, j'ai suivi de loin la carrière de M. Lévesque, bien évidemment, mais celle de Mme Normandeau, par exemple. Oh là là, le travail qu'elle a fait, cette dame-là. Monsieur... Et elle va revenir en politique, monsieur, je vous l'annonce. Oui, oui. Oh, OK. Oh, oui. Monsieur Lemay. Oui. Bon, on va parler du Parti québécois. C'est ça, je l'ai dit. Donc, okay. Mme Normandeau va revenir en politique, le Parti libéral. Oui, vous voulez parler de quoi? On va parler du Parti québécois. Encore une crise. C'est rendu une coutume, tout simplement. Oui, non, s'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, on va réveiller M. Parizeau, puis on va en faire une. Fait que c'est pas compliqué. Monsieur Landry. Mme Lapointe, ils sont capables. Ils sont capables d'en faire. Mais encore une autre crise au Parti québécois. Comme je disais, dépendamment de ce qui s'est passé le 5 décembre dernier dans Bonaventure, est-ce que
Honnêtement, M. Lemay, est-ce que le poste de Mme Marois est vraiment en danger? Ah, ben moi, je pense que oui. Écoutez, je pense que Mme Marois va avoir une décision à prendre importante et il va falloir qu'elle la prenne au cours des prochaines semaines. Bon, c'est clair, écoutez, le PQ ne s'attendait sûrement pas, j'espère, à gagner le comté de Bonaventure. Là. On extrapole, là. Ah non, je vous regarde. On extrapole. Il faut le dire aux gens pareil, parce que si, advenant le cas, que le PQ gagne le comté de Bonaventure, Mme Marois est en orbite. Oui. Et c'est ça, sûr, je vais jure, c'est sûr. Les partis, c'est clair. Mais moi, je prends pour acquis que le comté de Bonaventure va rester dans le giron libéral, donc en conséquence. Mais la crise est plus profonde, c'est est-ce que c'est le messager ou le message qui passe pas, ou les deux? Je pense que c'est les deux. Parce que le message, c'est on pense que la souveraineté pour l'avenir du Québec... Il passe plus, le message. Il est très difficile à passer. Simplement, il passe plus. On n'est plus attaché à ça. Quand je regarde les jeunes aujourd'hui, cette génération-là, c'est le monde qui l'intéresse. Et il y a beaucoup de choses qu'elle prend. Ce n'est plus la préoccupation des jeunes de 20 à 30, 35 ans, comme c'était il y a... ou même à 40 ans, comme il y a 10, 12, 15 ans. Je dirais que le projet de pays est le projet d'une génération qui est la mienne. Et je avec respect, écoutez, j'ai 60 ans, donc la génération des François Gendron, de tous ceux qui ont gravité de M. Lévesque, etc. Mais on n'est pas capable aujourd'hui d'accrocher les jeunes à ce rêve-là. Non, parce que les jeunes, ils l'ont c'est autre chose. C'est alors, ça. Donc, le message, passe pas. Le messager, Mme Marois a énormément de difficultés. On l'a vu au mois de novembre, par exemple, elle s'en est relativement bien tirée. Oui, mais elle ne pourra pas toujours s'en sortir. Non, c'est clair que... Et elle devra prendre une décision. Bon. Mais il y a plus profond que ça. C'est-à-dire que qui peut prendre la place? Bon, on en vient là. Monsieur... Ça pose un sérieux problème. Parce que, oui... Qui peut remplacer Mme Marois? Parce que quand on regarde les statistiques, les sondages qui sont sortis là, à la fin novembre, là, au moment où on fait l'émission, avec Mme Marois à la tête du Parti québécois, c'est 16 % des intentions de vote. 19 %, excusez-moi, oui. À 19 %, ouais. François Legault est à 36 et Jean Charest est à 28, 29, 30 ou à peu près. Bon. Puis là, si on parle que M. Duceppe s'en vient, là, on les met gagnants. Mais c'est facile parce qu'un sondage, c'est une photo qui est prise là. À un moment donné. Là. Moi, le problème, là, je vais vous le dire, puis je connais, je pense que, monsieur, vous savez mes alliances, et je connais bien Gilles Duceppe, vous savez que je le connais très bien. Moi, le message que j'ai passé à Gilles, c'est « qu'est-ce que tu vas aller faire là? » Bon, mais c'est le message que moi aussi, c'est vraiment, je me pose comme question. Et c'est vraiment pas facile, la situation actuelle, parce que le PQ... Il faut se rappeler que le Parti québécois, c'est un regroupement de plusieurs idéaux qui font en sorte qu'il y a beaucoup de confrontations. Oui, puis... et la politique provinciale n'est pas comme la politique fédérale quand tu diriges un parti politique comme le Bloc qui ne prendra jamais le pouvoir et que tu le sais. C'est pas pareil, là. La game n'est pas pareil. Non. Parce que tes promesses sont un petit peu moins vagues. Oui, mais il y a aussi une autre affaire, c'est qu'on a affaire au PQ actuellement à des égaux surdimensionnés. Oui. Des têtes enflées qui sont députés et qui voient que possiblement, peut-être que je l'aurais vu dans la limousine. Là. Parce que là, Bernard Landry est parti, lui, à 76 quelques pour cent. C'est la pire erreur qu'il a faite. Et puis, on a cavalièrement sacré dehors M. Boisclair. Ben c'est clair. Puis, le parti n'était pas aussi creux qu'il est là. Il n'était pas non plus dans le creux de la vague comme il est aujourd'hui. Alors, c'est donc dire que Mme Marois se doit de partir. Si elle s'en va, moi, la question que je vous pose, qui va venir remplacer Mme Marois? C'est clair que ce sera un intérim pour une prochaine élection. Le problème, là, que je vois, moi, c'est ça qui est le gros problème du PQ. C'est que la base du PQ, les militants,
Ils l'aiment, Mme Marois. Ils sont capables de travailler avec. Le problème, c'est les 44 députés, les égaux surdimensionnés qui se voient privés de limousine si le PQ ne prend pas le pouvoir, qui sont imbus d'eux-mêmes. Moi, ça, j'ai énormément de difficultés. Oui, puis on dit encore aujourd'hui, là, mais là, fin novembre, là, on dit qu'il pourrait encore partir 7, 8 ou 9 députés. Ça, encore une fois, c'est facile de dire ça. Parce qu'on laisse circuler ça, puis les médias s'en emparent. Puis là, t'as un monsieur raté qu'elle a mis dehors parce que lui est allé flirter avec la gang de caquistes. Oui, c'est ça. Puis t'as l'autre... Leclerc. Le monsieur Leclerc, lui, c'est parce qu'il y a un problème. Il faut qu'il règle. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, là, il va falloir que Mme Marois, puis elle a commencé à mettre le poing sur la table. Là, on l'a vu, là, quand elle a fait l'émission Tout le monde en parle, on a senti là, qu'il se passait quelque chose. Oui, mais ça lève pas quand même. C'est... Ben, écoutez, c'est clair. Écoutez, là, je voudrais que vous me disiez, là... Qui? Gérard Drainville? Non, pas Monseigneur. Excusez, c'est le neveu. Ah, Gérard Drainville, qui effectivement, c'est son neveu. Hein? Oui. C'est le neveu de Monseigneur Drainville. Okay. Ah oui, c'est... Okay. Donc, Bernard Drainville? Bernard Drainville. Bernard Drainville. Parce que là, là ça ne vous tente pas là, de m'emmener M. Duceppe là-dedans, ou? Oui, il va vouloir y aller, Gilles, mais moi, je suis... Mais savez-vous, moi, qu'est-ce qui me fait rire, monsieur? C'est parce que M. Duceppe, avec la gang qu'il y a là, qu'il n'a pas choisi, qu'il arriverait de l'extérieur, qu'il n'est pas à l'intérieur des troupes, qu'il n'est donc pas un député élu au Québec, aurait, et je pense, beaucoup de difficultés. Il faudrait que les élections soient vite. Mais savez-vous ce qui me fait rire là-dedans, moi, monsieur, monsieur Lemay? Oui, allez-y donc. C'est quand les journalistes, quelques journalistes, disent, oui, ce serait bien l'avenue de M. Duceppe à la tête du Parti québécois, parce qu'en fin de compte, le Québec, il en doit une. On lui doit quoi, Gilles Duceppe, nous autres? On lui doit de l'avoir battu, pauvre petit gars. Pauvre petit gars, c'est pas donné. Écoutez, c'est à peu près... On doit rien. Attendez, je vais faire un parallèle. C'est à peu près comme si le monde disait, Marc, il faudrait bien que tu te présentes dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue parce qu'on te l'a doué, on t'a battu. Voyons donc, pas même affaire, là. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Gilles Duceppe, on ne doit rien par nous. Non, les Québécois ne doivent rien à Gilles Duceppe. Puis le 2 mai dernier, Gilles Duceppe a conduit son parti dans la déchéance totale. Non, c'est Gilles Duceppe. C'est Jack Layton qui a conduit son parti au Zénith. Vous avez aimé la campagne électorale que Gilles Duceppe a faite en avril dernier? Non. J'espère, parce que assez politicien que si vous m'auriez dit oui, là, j'aurais dit on s'explique sérieusement. Parce que Gilles Duceppe a passé son temps à parler de souveraineté. Il a creusé son... Mais il y a plus que ça. Là. Si on... Je ne veux pas revenir sur le 2 mai, mais... Mais ça fait rien. On revient pareil sur... Un slogan qui n'avait pas de bon sens, un chef qui n'était pas de bonne humeur, qui n'a jamais été de bonne humeur durant la campagne électorale, puis que le monde disait, puis tu rencontré sa rue, Marc, il sourit-tu de temps en temps, ton chef? Bon, alors, non, on a réglé ça. Alors... Et moi, je pense, je ne le vois pas à la tête du PQ actuellement. Actuellement, la chef du PQ, elle est arrogante, puis Gilles Duceppe est arrogant. Non, elle n'est pas arrogante, Mme Marois. Non, je ne pense pas que Mme Marois, elle soit... Non, mais là, arrêtez. Arrêtez, ce n'est pas parce que quelqu'un de l'argent... François Legault, il est riche. Non, ça n'a pas d'affaires pendant Le problème de Mme Marois, et je l'ai vu quand elle est venue célébrer les 35 ans de François Gendron à Amos, elle était ici. Et quand elle se promène dans le public, en général, et elle est très, très facile d'abord, et on a pu lui parler, tout le monde dit, mon Dieu, on peut l'aborder facilement. C'est un air qu'elle se donne. Non, c'est une image qu'on lui a donnée. Et malheureusement, qu'est-ce que voulez-vous que je vous dis? Un millionnaire, puis qu'est-ce que je fasse? Elle se promène avec des vêtements griffés. Qu'est-ce que tu veux? Ah non, c'est ça, c'est non, mais c'est... Oui, mais c'est... Son c'est... Château, ça n'a pas d'affaire là-dedans. Ça n'a pas d'affaire, mais ça restait marqué dans la population en général. Demandez à vos auditeurs... Mais ce n'est pas pour ça que les gens ne l'aiment pas. Là, il faut que tu t'identifies à ton chef. Il faut que tu sois capable de t'identifier à la personne que tu veux voir, ton leader. Et Jack Layton, ici, est le plus bel exemple de ça. Il n'y a personne qui sait le nom de la nouvelle députée ou du nouveau député d'Abitibi-Témiscamingue, sauf Abitibi-Bégin-Neuve-Étéiou, on connaît M. Saganache, mais ici, on ne connaît pas en tout la nouvelle députée. Puis le monde, ils ont voté pour Jack Layton parce qu'il s'identifiait à Jack Layton. On s'identifie à François Legault dans certains cas. On s'identifie à Amir Kadir, mais on a de la difficulté, pour ne pas dire autre chose, à s'identifier à Mme Marois, point. Donc, il faut qu'elle parle. Ben, en tout cas, elle aura une décision à prendre.
On va finir parce que on a d'autres sujets beaucoup. Ben, allez. C'est parce que je ne dois pas passer l'émission à parler du Parti québécois, mais sauf que j'aimerais dire j'ai une citation ici que je trouve vraiment profonde. C'est que politiquement, la souveraineté n'est même plus un rêve. Elle est devenue un triste souvenir. Je pense que... C'est qui a dit ça? J'ai lu ça sur le journal il y a quelques jours passés. C'est un journaliste. Je pense que je ne veux pas, mais Jean-Jacques Sanson, ah, je ne suis pas sûr à 100%. Mais... On est rendu là, monsieur. Non, il y a un travail à faire. Si on veut parler de souveraineté, il va falloir arrêter de dire... regarde, le fédéral est en train de nous en donner. Monsieur... Il est en train de donner des arguments. Oui, bon, oui, c'est ça. Alors, mais c'est sûr que des gars comme Jean-Marc Fournier, qui va défendre le bill C-10 à Ottawa... Voilà. Les gens commencent à dire, on n'a peut-être plus besoin du Parti québécois pour défendre les intérêts du Québec. Bien, il n'est pas revenu. Le Parti libéral, il n'est pas revenu avec ça. Un Parti québécois serait revenu avec ça, lui? Non, ce qu'on dit, c'est si on était souverain, est-ce qu'on n'aurait pas nos lois? Est-ce qu'on n'aurait pas été capable de dire, nous, en vertu de nos lois... Nos lois à nous autres. Et on pense que la réhabilitation, c'est prioritaire. Fait que toi, si tu veux faire quelque chose au fédéral, fallait. Nous autres, on s'en fout. On est au Canada, on est au Québec, on est au pays du Québec et on décide. Et le plus bel exemple qui va arriver dans quelques temps, là, surveillez ça, c'est la nouvelle loi sur les droits d'auteur. OK. Elle, les Québécois, qui sont des artistes dans l'âme, et Dieu sait qu'il y en a pas mal dans le monde de la culture, vont en manger toute une. Et on avait fait une émission avec Mme Lavallée. Saint-Hubert. Et on pourrait y revenir parce que le même projet de loi est revenu, là. Okay. Et là, il risque de passer, puis il va passer avant Noël. Il va passer. Alors donc... C'est majoritaire. Et donc, les Québécois, peut-être, qui vont avoir de la misère à se trouver. Une minute, monsieur. OK, 49 secondes, 48. Une minute. Quand un artiste comme Paul Piché fait une sortie comme il l'a fait avant-hier, soit le 27 novembre dernier, puis quand il dit « Celui qui parle de plus de souveraineté à Québec, c'est Jean Charest », on a un problème. On n'a pas un problème. On a un problème, je dis que le Parti québécois a un problème. C'est clair. Ah, ça, vous avez parfaitement raison. Mais Mme Marois, il voudrait m'en parler, mais à toutes les fois, elle a un pognon dans le dos. Si sa gang arrêtait de faire les imbéciles, et je le dis avec respect, qu'on était capable de travailler ensemble, ils ne sont pas capables. Alors, est-ce qu'on est en train de faire mourir le Parti québécois? On verra ça au début de 2012. Formation officielle du Parti, Coalition pour l'avenir du Québec. Allez, caquis. Les caquis. Allez, caquis. Là, c'est un parti officiel. Les caquis. Possiblement. On verra. Possiblement. On verra. Oui, je m'en viens là, à ça. Là. On verra. Je m'en viens là. Je m'en viens dans le parti des on verra. Là. Ouais. Parce que chaque question, mais pas chaque question, mais plusieurs questions qui ont été posées à François Legault par les journalistes lors de sa conférence de presse pour la formation officielle de son parti, ils ont parlé qu'est-ce que vos revendications face à Ottawa, on verra. Dans le domaine scolaire, on verra. Comment vous allez faire pour couper 4 000 personnes à Hydro-Québec, on verra. C'est ça. Est-ce que vous seriez prêt à voter pour on verra? Oui, pas moi. Mais moi, je vais vous dire une chose. Son parti politique, son programme politique, le monde, ils en ont rien à foutre. Excusez-moi du gros mot. Le monde, là, ils veulent du changement. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ils sont même prêts, et ça, c'est la meilleure que j'ai entendue, là, effectivement, il y a quelques heures. On est prêts à voter pour des jeunes vieux. Des jeunes vieux? Ben oui. François Legault, il est là depuis 1984-85, il est en politique. Gilles Duceppe est là depuis plusieurs dizaines d'années. Mais c'est des jeunes vieux renouveau. Quoi? Là, tu dis, c'est quoi ça? On ne fait même plus... Ce qu'on veut, les Québécois disent, et je les entends sur la rue, on veut rien savoir. Il n'est pas question qu'on vote pour Jean Charest. Mme Marois, je la sens pas. Puis Amir Kadir, ça passe pas. Puis l'autre, la DQ, il est bien mieux de disparaître parce qu'on veut rien savoir. Mais Legault, là! Option nationale, c'est avec... Jean-Martin Ancel. Il sait même pas c'est lui. On est rendu avec trois partis indépendantistes au Québec. Mais il y a mieux que ça, c'est que le parti de M. Legault, il dit rien... Il n'y a pas de candidat, il n'y a rien, il n'y a pas de programme politique
et il plafonne dans les sondages à 38%. Oui, 37, 38, 38%. Caracole, wouh, on est parti. Pourquoi ça? C'est que les Québécois disent, ouais, nous autres, on est ce tannés. Qu'ils disent, là. Ah. Comme ça, on peut voir la répétition du 2 mai. On risque de voir, s'il y avait des élections demain matin, une répétition du 2 mai. Absolument, vous avez parfaitement raison. Et on verrait des « nobody » être élus, 50 « nobody » qu'on ne connaît pas. Bon, OK, peut-être qu'il va y avoir des M. Barrette, et peut-être qu'il va y avoir des, ouais, d'autres personnes, Dr. Barrette, des M. Caillé, ou le Dr. Barrette. Okay, okay. Il va peut-être avoir d'autres personnes qui vont se présenter. Mais moi, je vais vous dire une chose, là. Ça me fait beaucoup, beaucoup penser, quoique le PQ existait déjà depuis 1969-70, quand il a été élu en 76. Il est arrivé avec 50-quelques ou 60 députés, dont il y avait une machine, là, il y avait du monde fort là-dedans, pas de problème. Est-ce qu'on pourrait avoir la même chose du côté de M. Legault? Le problème de M. Legault, c'est qu'il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de programme. Il dit, je veux abolir les commissions scolaires. Regardez, oui, mais c'est ça ici, là, quand je disais moi, que le parti d'Éon Véra, c'est que dans sa conférence de presse, il demande à Ottawa, on verra, ouvrir une porte au privé dans le système de santé, on verra, donner de l'argent aux parents pour qu'ils décident eux-mêmes de la garderie et de leurs enfants, on verra. Ben là, on verra. OK. On verra. Mais ça va être intéressant qu'on en reparle, oui, au début de 2012, où là, bon, ça va s'affirmer un peu plus. La coalition ADQ-CAQ va être faite probablement. Allez, c'est clair que l'ADQ, ils sont appelés à mourir s'ils n'est pas. Donc, Gérard Deltel a intérêt. j'ai trouvé ça drôle, la caricature. C'est Monsieur Deltel, êtes-vous prêt à vous unir? Oui. À quelle condition? Oui. Ben, c'est oui, puis l'autre, on verra. Fait que c'est ça. Il est peut-être à faire n'importe quoi, lui-là, pas disparaître. Mais une chose qui peut peut-être arriver aussi, M. Lemay, vous êtes fin politicien, puis j'en suis persuadé que vous l'avez vu venir aussi, c'est que la division du vote nationaliste entre la coalition, le Parti québécois, Québec solidaire, option nationale, est-ce que ça ne pourrait pas permettre au Parti libéral de s'infiltrer là-dedans puis d'aller à la victoire lors d'une prochaine élection? Le Parti libéral québécois a une base énorme qui est dans l'ouest de Montréal et dans l'Outaouais. C'est sûr. Outre-Mont, bon, puis après, c'est ça. Alors, il n'y a pas de repos. Puis je ne pense pas que M. Legault soit capable de faire d'aller chercher beaucoup de votes là-dedans. Cependant, est-ce qu'il y en aurait assez pour... Parce que là, c'est clair qu'ils vont perdre énormément de comtés. Est-ce que ça va être suffisant pour se faufiler entre les deux? Écoutez, il y a 125 comtés au Québec. Ça en prend 63 pour être correct. Avec le président de la Chambre. C'est ça. Fait que là, regardez, ça ne sera pas facile. Mais je pense, aujourd'hui, là, l'émission passe le 7 décembre, là, aujourd'hui, avec, il serait l'opposition officielle. Okay. Et le PQ serait... Comme le Bloc. Excusez-moi, Dirais plus comme la DQ. Excusez, là, mais on reste au Québec. OK, on va rester au Québec. Il serait un peu comme la DQ. C'est triste à dire, là. Écoutez, là, c'est pas drôle. Fait que ça, là, est-ce que Jean Charest pourrait, au printemps 2012, profiter que... Le CAQ n'est pas tout à fait prêt encore à une campagne électorale, même s'il y a 800 CV devant lui. Là, ben ouais. Il va falloir qu'il choisisse. Là. Je trouve ça gros, mais quand même, ça se peut. Bon, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Oui, sûrement. Oui. Bon, mais est-ce que M. Charest pourrait en profiter, vu que le Parti québécois est très, très faible dans les sondages au moment où l'on se parle? C'est une question de chef qui peut être changée avant que le nouveau chef arrive, avant que les caquistes soient vraiment formés, solides. Est-ce qu'on pourrait assister à un scrutin mars-avril 2012? Moi, je vois ça plus difficilement. Parce que là, il y a une contrainte qu'il ne faut pas oublier. Là. Il y a la commission Charbonneau qui va commencer, là. Alors, oui, là, c'est sûr. C'est cette commission d'enquête sur la collusion dans la construction, ça peut avoir un impact. Est-ce qu'il va avoir un... Il va en profiter pour faire une élection à l'automne. Moi, je vois plus une élection à l'automne. À l'automne 2012. Ah oui, oui. Okay. Pour moi, c'est évident. Okay. Il n'attendra pas au printemps 2013, parce qu'au printemps 2013, c'est clair que la commission Charbonneau va être en audience publique. Oui.
Sinon, elle aura presque déposé son rapport. Alors, donc, non. Alors, moi là, vous avez raison. Selon moi, il y a une élection en 2012. Moi, je la vois plus au septembre, octobre. Mais et il ne faut pas qu'il attende en 2013 parce qu'il y a des élections municipales. Oui, donc, c'est ça. Donc, moi, je vois plus septembre-octobre, 2012. Écoutez, son plan Nord va avoir pris plus d'ampleur. Sa commission va être partie. Ils vont travailler en huis clos, fait qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Il ne sera pas achalé avec ça. La chicane va être prise avec Ottawa, c'est sûr, sur plusieurs dossiers. Le Parti québécois sera pas relevé encore, probablement. Probablement, tout dépend qui va être chef, etc. Voilà, on va avoir un très, très beau début de 2012. Compte tenu que dans les chaumières, durant le temps de Noël, on va parler aussi un peu de moi, Legault, qu'est-ce que t'en penses, toi, Legault? Si il y avait des élections, moi, Legault. Moi, mais Marois, ah oh, non, Marois, il faut qu'elle parte. Moi, Marois, il n'y a pas d'affaire là, etc. Ça va être intéressant, en tout cas. Entre la dinde et les attaquas, ça va être le point. 5 minutes seulement, monsieur. Puis je sais que vous vouliez parler aussi. Est-ce que je voulais parler? Il est de la commission d'enquête, mais ce sera dans notre prochaine émission. La commission d'enquête Charbonneau? Oui. Moi, j'aimerais mieux qu'on la rapporte. Oui, parce que là, que... il n'y a rien d'actuel. Non, c'est ça. Elle est nommée. Okay. Ces deux commissaires adjoints sont nommés. Le procureur est nommé. C'est donc ça. Là, ils commencent à travailler. On se met en place pour, après les fêtes, tranquillement, on commence à travailler. Absolument. Confrontation Québec-Ottawa, projet de loi C10. Ça, c'est pas beau, ça. Ça, c'est vraiment effrayant. Moi, le côté justice m'effraie beaucoup. Écoutez, on est au Québec. Oui, moi, je suis un criminaliste, je fais du droit criminel, je suis en défense. Et vous êtes classé pour en parler beaucoup. Oui, puis ce projet de loi-là, c'est la suite du projet de loi C2 qu'on avait étudié, qu'on avait débattu, qu'on avait dit aux conservateurs, non. Là, ça n'a pas de maudit bon sens. Vous n'allez pas nous arriver avec des choses qui n'ont pas d'allure. Par exemple, envoyer des jeunes de 14 ans en prison. On le dit, nous autres, au Québec, la réhabilitation, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, OK, la prison. Et on a un taux de réussite incroyable. C'est vrai que les médias s'emparent bien souvent d'une erreur qui est faite. Puis c'est vrai qu'il y a eu des crimes odieux qui ont été commis au Québec. Je comprends que M. Boisvenu, sa fille, ait été assassinée, puis je ne l'accepte pas. C'est pas de bon sens. Mais par contre, la loi C10 avec on envoie tout le monde en prison. On envoie des minimums d'emprisonnement. On oublie les juges parce que ce sont les juges qui devraient décider. Nous, il y a un grand principe en droit qui s'appelait l'individualisation de la sentence. Chaque individu doit avoir la sentence qu'il mérite et c'est le juge qui doit être appelé à décider quel genre de sentence. Vous êtes à votre 8e faculté affaiblie. Il n'y a rien dans le code criminel. Là, on va vous dire, c'est un minimum de 12 mois. Bien, moi, si vous êtes à votre 8e faculté affaiblie, monsieur, vous n'avez pas compris, je m'excuse, mais ça devrait être plus au bord du pénitencier que vous allez aller. Ce serait normal. Alors, voilà. Je me dis, laissons les juges faire leur travail. Puis si vous n'êtes pas content, allez en appel. C'est prévu, la cour d'appel, pour ça. Mais c'est un débat fondamental de deux visions de la justice au Canada. Ça, on n'a pas fini d'entendre parler. On n'a pas fini d'en entendre parler. Et il va y avoir des décisions à la Cour suprême. C'est clair. La Cour suprême va être ouverte de se pencher sur ce projet de loi-là qui, selon moi, est vraiment, vraiment pas correct à l'égard des justiciables et à l'égard de la justice. Monsieur Lemay, merci infiniment. C'était notre première émission comme analyste. Je vous en remercie beaucoup. C'était très bien. Et puis, on va se revoir quelque part en février parce qu'il va y avoir beaucoup de changements. Il y aura peut-être un nouveau chef par intérim du Parti québécois. Il y aura la coalition ADQ-CAQ sera probablement faite à ce moment-là. Il y aura un nouveau chef au bloc. Ça existe encore, le bloc, c'est vrai. Oui, il existe encore. Il y aura presque un nouveau chef au NPD. Presque un nouveau chef au NPD. Et le Parti libéral fédéral, bien aussi, eux autres, c'est dans quelques décennies. Monsieur Lemay, merci infiniment. Joyeuse fête à vous. Et on se revoit au mois de février prochain. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On s'en rendez-vous à une prochaine. Prochaine émission de On s'en parle pour la dernière de l'année 2011. Merci et à la prochaine.